Coucou tout le monde, c'est Delphi. Bienvenue sur ma chaîne Delphi et ses petits doigts. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Unboxing, troisième partie, achat chez Home Fun pour la première fois. Alors, j'ai commandé le 13 juillet. Si vous avez regardé mes deux autres vidéos, on a fait la première toile. En deuxième vidéo, la deuxième toile et la troisième partie. C'est celle-ci, j'en ai profité pour commander un petit quelque chose. Donc on va déballer ensemble, il a mis longtemps celui-là. Je l'ai commandé le 13 et je l'ai reçu le 30. À mon avis, il y a eu des problèmes dans les envois, parce que quand j'ai regardé le tracking, il y avait trois envois différents, j'ai rien compris. Et finalement, je l'ai reçu. Donc bon, c'était pas en express comme les toiles. Home Fun, je pense qu'ils envoient les toiles en express, mais pas le reste. Ouh là là, j'ai tout déchiré. Bon, bah, c'est pas grave. Hop. Donc, au début, j'hésitais. Je voulais pas trop me commander cet article. Et puis, je me suis dit, ah, allez, laisse-toi tenter. J'étais raisonnable pendant le confinement. Je n'ai rien acheté. Donc, je me rattrape un petit peu. Le petit tool kit. Des sachets, barquettes, stylets, rien d'exceptionnel. Des strass, il n'y en a pas beaucoup. Je dis, il n'y en a pas beaucoup, oui. Forcément, quand on voit les toiles que je fais, ça me fait tout bizarre. Mais ça, j'aime bien, vous voyez, entre deux toiles ou quand j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ma grande toile. C'est sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez, des strass spéciaux. Donc là, c'est des ronds, les ronds translucides. Et là, c'est les formes différentes. Donc on a des ronds violets, or, des navettes et des petites gouttes comme ça. On va passer au plus intéressant, le carnet. Alors, il y a la marque de la coupelle, mais c'est pas bien grave. Et voici le motif. Donc, je vous montre de plus près le motif. Ben, c'est encore des papillons. Voilà. Donc, ça colle très bien. Les numéros sont clairs. C'est joli comme tout. Donc, c'est un format A5 et il y a 64 pages. Là, c'est un peu, c'est abîmé. Il y a une pliure. Donc, je suis contente parce qu'il y a des lignes. Je pense que je vais me mettre à me faire un carnet suivi de DP, tout ça, pour avoir une trace. Bon, il est joli, hein. Alors, je l'ai payé 6,90. Vous le pouvez le trouver ailleurs. Moi, c'est juste que je passais ma commande Home Fun et je crois que c'était pour avoir des réductions. Du coup, j'ai pris ça. Il est sympa. Après, un peu déçu pour ça. Et puis pour ça. Mais non, il va être joli comme tout. Il va être très joli. Je vais le garder précieusement. Je le ferai sûrement en vidéo avec vous. Après, vous pouvez le trouver moins cher ailleurs. Hein. C'est pas parce que c'est Home Fun qu'il est exceptionnel, je pense. Je peux pas le comparer avec un autre puisque j'ai pas acheté chez d'autres vendeurs. Mais je pense que c'est tous les mêmes. Hein. Home Fun, il se démarque vraiment sur les toiles après. Voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce. Et à me laisser un commentaire, ça me fera super plaisir. Vous savez que j'y réponds à chaque fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!